Bonjour à toutes et à tous, ma team fratée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau tuto sur FIFA 22. On en a fait pas mal quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas disponibles sur FIFA et ça nous donne quand même pas mal de sujets de vidéo, hein. Notamment créer l'équipe d'Algérie sur FIFA, créer toutes les équipes nationales manquantes, créer la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment créer l'Euro sur FIFA 22. Donc, vous allez tout simplement dans Jouer déjà. Vous allez dans Mode de jeu rapide, vous allez dans Compétition. Ensuite, une fois dans compétition, vous allez dans compétition perso. C'est juste au-dessus de charger compétition. Hop, compétition perso. Là, vous avez ligue, élimination directe. Vous allez aller dans poule plus élimination directe. Nombre d'équipes. Comme vous le voyez, on n'a pas le nombre d'équipes exact qu'on a à l'euro. Donc, on va être obligé de mettre un peu plus. Ça sera un peu moins réaliste. Vous allez mettre 32. Choix auto des équipes. Vous allez mettre. Non, dans le cas de l'euro, c'est un peu plus compliqué. Ici, vous allez mettre tout simplement euro. Bon, on va dire qu'on va faire l'euro 2021, même s'il s'appelait euro 2020. On va faire ça pour le kiff. Paramètres avancés, oui, c'est quand même mieux. Donc, remplaçant sur le banc, là, vous mettez ce que vous voulez. La coupe, c'est vous qui personnalisez. On va mettre celle-là. Nombre de matchs par groupe, c'est 1, tout simplement. Équipe par groupe, c'est bien 4. Équipe qualifiée par groupe, c'est bien 2. On peut pas mettre 3 malheureusement hein, comme à l'euro, mais de toute façon avec 32 équipes c'est pas possible. Match à élimination directe, un seul. Ensuite, donc là vous allez dans remplacer équipe et vous allez prendre toutes les équipes européennes dans sélection nationale, donc ainsi de suite. Bien sûr, vous aurez 32 équipes à prendre pour parce qu'on n'a pas le quota comme au vrai euro. Et bien sûr, vous n'aurez pas forcément assez d'équipes européennes créées sur FIFA. Donc n'hésitez pas à aller checker mon tuto comment créer les équipes nationales manquantes. Moi, je les ai créées sous la Ligue Arabie Saoudite. Donc par exemple, Aba Club, c'est l'Algérie. Donc ça, c'est pas pour l'euro. Mais Al-Fazali, par exemple, c'est la Croatie. Donc voilà, j'ai la Croatie qui est manquante. Donc le nom n'est pas officiel, mais il y a vraiment les joueurs officiels. J'ai créé la Suisse sous Alphatée, hein, quand même la Suisse qui n'est pas disponible sous FIFA 22, c'est quand même assez fort. Après j'ai quoi? J'ai la Serbie sous Al Nasser. Après je vous avoue, je ne sais pas si j'ai créé assez d'équipes européennes pour avoir les 32 équipes, mais on va faire ça pour le fun. Et puis dans équipe nationale, on va continuer à chercher avec vous les fratés. Hop. Alors, Australie, non. Autriche, oui, ça passe, c'est bien européenne. Ukraine. L'Ukraine a été ajoutée. C'est la seule équipe qui n'était pas là sur FIFA 21 en pays qui est arrivée. Donc hop, on crée petit à petit la Russie qui est bien considérée dans la zone euro pour le football. La Roumanie, ça passe. On va mettre vraiment toutes les équipes européennes. Donc la petite strat que je vous propose, c'est de vous mettre tout en bas. Comme ça, c'est moins chiant. Vous n'avez pas à descendre à chaque fois. Donc là, faut pas qu'on se trouve. Faut pas qu'on ajoute d'autres équipes. Après, imaginons que, il manque quelques équipes. Vous pouvez ajouter d'autres pays hein, pour combler les trous. Mais vous pouvez recréer toutes les équipes européennes manquantes. Hein, c'est faisable. Je l'avais déjà fait sous FIFA 21. Donc là, c'est un peu plus long sur FIFA 22 parce qu'ils ont encore supprimé d'autres équipes nationales. C'est un peu chiant, je vous l'avoue. Donc là, hop, après, faut vraiment kiffer FIFA et être patient quand vous faites ça. Donc là, je vais vous montrer après comment on fait les groupes et tout. Ça peut être sympa. Après, ça peut vous servir comment faire la Coupe du Monde. Hein. Il y a le tuto aussi sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker. Vous allez dans la playlist FIFA 22, vous aurez tout disponible. Donc là, on commence à avoir pas mal d'équipes, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, on n'a mis que des équipes européennes, donc c'est la petite satisfaction du fraté. On se débrouille plutôt pas mal. La France, bien sûr. Alors là, je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup hein, à ajouter pour les équipes européennes. Oh, la Grèce, ça passe encore. Comme ça me montrera combien d'équipes européennes il faut encore que je crée sur FIFA. Hongrie, ça passe. Irlande, donc normalement il y aura l'Irlande du Nord. C'est ça égale. Voilà, il y aura l'Islande aussi, donc ça passe. Ah, on est plutôt pas mal. En fait, au niveau des équipes européennes, faut quand même avouer que il en manque pas beaucoup, à part Croatie, Serbie et il en manque Albanie et tout, il en manque quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même plutôt pas mal. La preuve en image, l'Italie, ça passe. On est pas mal là. On est pas mal du tout. On va se faire un petit euro qui est quasiment réaliste. La Norvège, qui dit mieux. Bon, il doit pas en rester beaucoup là d'équipes européennes. J'en ai peut-être loupé une au passage. Hein. Nouvelle-Zélande, non. Pays de Galles, ça passe. Et bah décidément, on va peut-être même arriver à faire tout. Pays-Bas, bah purée. Il nous en manque plus que 4. Allez, ça continue. Est-ce qu'il nous en reste? Ah, on a tout mis là. Ok, je crois qu'on a tout mis. Hop, Australie, ça passe pas. Brésil, ça passe pas.
Ok, bon. Sous Arabie Saoudite, est-ce que j'en aurais pas encore une que j'ai oubliée? Algérie, Afrique du Sud, Colombie, Croatie, on l'a déjà mis. Chili, Suisse, Uruguay, Japon, Sénégal, Serbie. Bon, enfin, imaginons que voilà, ça soit la Slovaquie qui est pas créée ou des choses comme ça. C'est vrai que ouais, la Slovaquie, je l'ai pas créée. Allez, je note sur mon petit papier. Hop, Slovaquie, on la rajoutera. Il manque l'Albanie aussi. Ça comblera les 4. Et il en faudra encore 2. Hop. Donc là, c'est pas les équipes européennes, mais bon, tant pis. Hop, et on va combler la dernière. Hop, la Bosnie, c'est vrai, la Bosnie qui est pas présente non plus. Voilà, donc voilà, on va prendre aller l'équipe d'Ukraine pour le kiff. On fait terminer, hop. Et donc là, vous avez les groupes. Alors, comment vous voulez faire? Vous voulez équilibrer un peu les groupes pour que ça soit plus réaliste. C'est tout à fait logique. Donc là, par exemple, on a deux grosses nations dans le même groupe. Donc on va mettre l'Angleterre ici, par exemple. Donc là, on a Allemagne qui est mélangée à des équipes. Donc voilà, c'est pas les noms officiels, vous l'avez compris. J'aime bien mettre les équipes les plus hautes en haut pour voir qu'il n'y en a bien qu'une seule par groupe. Là, par exemple, on va décaler, on va mettre l'Espagne en haut. Il y a la France aussi. Donc là, on va voir. Là, c'est un peu plus vide. On va mélanger un peu. On essaie d'équilibrer un peu. Hop, et là, on voit que, ok. Donc là, on va mettre les Pays-Bas là. Donc en gros, on a Allemagne. Bon là, Al Nasser, c'était quoi? C'était la Serbie. Donc là, c'est assez réaliste. Al Fateh, c'est l'équipe de Suisse. Ok, donc là, on est vraiment 100% européenne. Angleterre, Croatie, Ukraine, Suède. Ok, on est pas mal. Donc voilà, en gros, vous avez compris le principe. Et là, vous faites terminer. Hop, et vous allez voir qu'on est pas mal. Donc là, on va mettre, par exemple, on va remplacer allez, celle-là. On va mettre Euro 2020. T1, hop, très tchatcheur, hop, et là on est comment? On est comme ça. Donc là vous avez la compétition. Ah, on a l'équipe d'Allemagne, ok, j'avais pas tilté. Ok. Et donc le rêve de l'Euro 2021, tout est actualisé comme si c'était l'Euro. Donc ça c'est plutôt stylé. Et là vous faites sauvegarder automatiquement et quitter. Vous avez la petite sauvegarde. Donc voilà la team, j'espère que ça vous a plu comme tuto. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!